Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative. Cette leçon de génie mécanique est destinée aux élèves de la 4e science technique. Donc, chapitre 4, transmission de mouvement. La leçon, c'est la transmission sans transformation de mouvement avec modification de vitesse angulaire. Donc, dans cette partie, on a vu l'autre fois les réducteurs à engrenage. Aujourd'hui, on va voir les boîtes de vitesse. Pour le plan de la leçon, donc, comme je l'ai dit, l'autre fois, on a vu grand 1, transmission par un train d'engrenage simple. Aujourd'hui, on va voir transmission par boîte de vitesse. Donc, dans cette partie, on va voir le principe, exemple de boîte de vitesse à crabeau, boîte de vitesse à pignon baladeur, boîte de vitesse du tour Pinachot qui se trouve sur vos manuels d'activité, boîte des avances de la fraiseuse Milko qui se trouve aussi sur vos manuels d'activité, boîte de vitesse manuelle d'automobile, c'est une activité aussi que vous faites en quatrième année, et on va terminer par une application. Alors, premièrement, principe. Une boîte de vitesse, comme le montre cette image, est constituée essentiellement d'un arbre d'entrée qui tourne à une vitesse N entrée et qui possède une puissance à l'entrée, donc un couple d'entrée. Un arbre intermédiaire sur lequel il y a des roues dentées. Donc, toute cette partie-là, c'est une boîte de vitesse à plusieurs rapports. Ici, on a l'arbre de sortie qui tourne à une vitesse NS, N sortie, différente de N entrée, donc une puissance à la sortie et un couple à la sortie. Toute boîte de vitesse manuelle dispose aussi d'un mécanisme de commande. Les boîtes de vitesse permettent de transmettre le mouvement de rotation entre un arbre d'entrée et un arbre de sortie en modifiant les caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire puissance, couple et vitesse de rotation, suivant plusieurs rapports différents. Autrement dit, c'est comme si on a plusieurs variateurs, mais dans un seul système. Donc, pour avoir une idée sur le principe de fonctionnement d'une boîte de vitesse, je vais commencer par cette vidéo. Alors, une boîte de vitesse est destinée à modifier la vitesse entre l'entrée et la sortie. Dans cet exemple que je vais traiter, je vais prendre une boîte de vitesse à deux rapports. Donc, ici, on a l'arbre de sortie sur lequel se trouvent deux roues dentées de tailles différentes. Un arbre d'entrée partiellement cannelé, sur lequel on va monter deux roues dentées aussi de tailles différentes, mais qui sont mobiles par rapport à l'arbre. Donc, on peut les faire translater grâce à un système de commande. Donc, ici, on a la possibilité d'un premier engrenage et d'un deuxième engrenage. Donc, on a la possibilité de deux rapports différents. Alors, pour le premier engrenage, si on suppose dans cet exemple que l'arbre d'entrée est entraîné par un moteur à une vitesse 1000 tours par minute, 2000 tours par minute, pardon, et on remarque que la roue menée est deux fois, par exemple, plus grande que la roue menante, donc on aura un rapport de transmission de 1,5, ce qui nous donne une vitesse à la sortie, 1000 tours par minute, pardon. Donc ici, l'arbre de sortie va tourner deux fois moins vite que l'arbre d'entrée. Alors, pour ce type de transmission, vous remarquez, pour changer de position, il faut arrêter complètement le mouvement. Alors, pour le deuxième engrenage, ici, on remarque que la roue menante est deux fois plus grande que la roue menée, donc l'arbre de sortie va tourner deux fois plus vite que l'arbre d'entrée. Alors, pour la suite, on va voir des exemples de boîtes de vitesse. Premièrement, boîte de vitesse à crabeau. Alors, je vais lancer une animation. Boîte à crabeau. Les images ci-dessous représentent une boîte à crabeau à deux vitesses. Donc ici, on a un schéma cinématique. Ici, on a un dessin en 3D. Elle est formée par un arbre d'entrée. Donc sur le schéma cinématique, l'arbre d'entrée, il est à ce niveau. Sur le dessin ici, l'arbre d'entrée, c'est cette pièce. Un arbre de sortie, il est là. Donc c'est cet arbre-là. Deux roues dentées 1 et 3, 1 et 3, portant des griffes. Alors les griffes, ce sont les dents qui sont taillées du côté de la roue. Donc ici, la roue en bleu, elle a des griffes à ce niveau, la roue en vert aussi. Les griffes sont reconnues sur le schéma cinématique par ce carreau menu d'une croix. Donc, deux roues dentées 1 et 3 portant des griffes, en liaison pivot avec l'arbre d'entrée. Il y a une liaison pivot à ce niveau-là. Un crabeau 2,
Donc, crabeau, c'est cette pièce-là, portant aussi des griffes. On peut le voir en 3D, c'est ça le crabeau. En liaison glissière avec l'arbre d'entrée. Donc, il y a présence de cannelure à ce niveau. Donc, le crabeau, il est en liaison glissière par rapport à l'arbre d'entrée. Deux roues dentées 4 et 5, 4 et 5, encastrées sur l'arbre de sortie. Ce sont ces deux roues-là. Alors, une petite vidéo pour voir le fonctionnement. Ici, on est dans la position point mort, c'est-à-dire l'arbre d'entrée tourne sans entraîner l'arbre de sortie. Vous remarquez que l'arbre d'entrée il est en mouvement de rotation, l'arbre de sortie ne tourne pas. Si je sélectionne première vitesse, donc l'opérateur dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? À l'aide du levier, il va agir sur la fourchette, on appelle cette pièce fourchette, pour déplacer le crabeau vers la gauche ou vers la droite. Donc pour la première vitesse, je vais choisir vers la gauche. À ce niveau-là, il y a un crabotage. Donc maintenant, l'arbre d'entrée tourne et entraîne l'arbre de sortie via cet engrenage-là. Donc si je reviens à la position point mort, pour sélectionner la deuxième vitesse, donc l'opérateur agit sur le levier et à l'aide de la fourchette, le crabeau est décalé vers la droite. Donc il y a crabotage à ce niveau. Ensuite, transmission de mouvement entre la roue qui est en bleu et la roue qui est en orangé. Vous remarquez ici que la roue menante est plus grande que la roue menée, donc l'arbre de sortie tourne plus vite que l'arbre d'entrée. Tandis que pour la première vitesse, vous remarquez que la roue menante est plus petite que la roue menée, donc l'arbre de sortie tourne moins vite que l'arbre d'entrée. Donc on a possibilité d'avoir deux vitesses. Alors, travail demandé. Première question. Déterminer le nombre de vitesses possibles. On a vu tout à l'heure que le crabeau a deux positions, donc on a deux possibilités de deux vitesses différentes. Donc la réponse est deux vitesses. Deuxième question, pour chaque vitesse, complétez la chaîne cinématique et donnez l'équation du rapport de transmission. Première vitesse, crabeau 2 à gauche. Donc si je reviens à l'animation... Boîte à crabeaux, animation. Alors ici, le schéma cinématique, il est en position point mort parce que le crabeau, il est au milieu. Donc, première vitesse, le crabeau est déplacé vers la gauche. Donc, vous remarquez le crabotage à ce niveau. La chaîne cinématique, c'est-à-dire l'ordre des pièces pour transmettre le mouvement. Arbre d'entrée, ensuite crabeau 2 vers le pignon 1 ou bien la roue 1 et puis la roue 4 qui entraîne l'arbre de sortie. Faites attention ici. L'arbre d'entrée ne peut pas tourner, ne peut pas faire tourner directement la roue 1 parce qu'il y a une liaison pivot entre les deux. Donc l'arbre d'entrée, il est en train de tourner à l'intérieur de la roue. Par contre, l'arbre d'entrée peut entraîner le crabeau parce qu'il y a une liaison glissière ici. Donc l'arbre d'entrée vers le crabeau, vers la roue dentée par le crabotage, ensuite par l'engrenage, ça entraîne la roue 4, ensuite l'arbre de sortie. Donc, pour répondre à la question... Nous sommes dans cette position-là. Donc, la chaîne de transmission, arbre d'entrée, crabeau 2, roue 1, roue 4, ensuite arbre de sortie. Arbre d'entrée, 1, 4, puis arbre de sortie. Alors, pour calculer le rapport de transmission dans ce cas-là, on applique la formule, le rapport égal à Z menante sur Z menée. On a la roue 1 menante, la roue 2, la roue 4 menée. Donc on aura R1 égale à Z1 sur Z4. Deuxième vitesse, si le crabeau 2, il est à droite. Donc si je reviens à l'animation. Alors, deuxième vitesse, le crabeau 2, il est à droite maintenant. Donc dans ce cas-là, la chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée, crabeau, roue 3, roue 5, arbre de sortie. Donc, pour répondre à la question, nous sommes maintenant dans cette position-là. L'arbre d'entrée entraîne le crabeau, puis la roue 3, puis la roue 5, arbre de sortie. Donc, la bonne réponse, c'est 2, 3, 5, arbre de sortie. Pour calculer le rapport, le deuxième rapport, Z menante sur Z menée, 3 est la roue menante, 5 est la roue menée, donc on aura Z3 sur Z5.
Donc vous remarquez qu'on a deux rapports différents, donc deux vitesses à la sortie différentes. Deuxième exemple, boîte de vitesse à pignon baladeur. On l'appelle boîte de vitesse à pignon baladeur, donc on connaît le nom pignon, c'est une roue dentée de petit diamètre. Baladeur, ça veut dire il peut translater par rapport à l'arbre. Donc on va voir une petite animation. Boîte à pignon baladeur. Le schéma cinématique ci-dessous, ce schéma-là, représente une boîte de vitesse à pignon baladeur. Elle est formée par un arbre d'entrée, solidaire avec le pignon à griffe 1. Solidaire, ça veut dire encastré. Donc l'arbre d'entrée et le pignon à griffe 1. Donc vous remarquez qu'il y a présence de griffes à ce niveau. Donc encastré, l'arbre d'entrée et le pignon à griffe 1 sont encastrés ensemble. Un arbre intermédiaire sur lequel sont encastrées les roues dentées 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'arbre intermédiaire sur lequel il y a les roues 2, 3, 4, 5. Un arbre de sortie à ce niveau-là. Ensuite, deux pignons baladeurs 7 et 9. 7 et 9. Dans 7, porte des griffes. Vous remarquez ici la présence des griffes sur le pignon 7. Donc, ce sont des pignons baladeurs donc ils peuvent changer de position par rapport à l'arbre de sortie. En liaison glissière avec l'arbre de sortie. Vous remarquez les symboles des liaisons glissières. Et une roue intermédiaire 8 à ce niveau-là. Donc, position point mort. L'arbre d'entrée tourne sans entraîner en rotation l'arbre de sortie. Donc ici, nous sommes dans la position point mort. Pour sélectionner la première vitesse, l'opérateur agit sur le levier. Grâce à la fourchette, il fait déplacer le pignon baladeur pour réaliser un engrenage entre ces deux roues dentées. Maintenant, l'arbre d'entrée tourne et entraîne l'arbre de sortie. Je peux répéter. Ici, c'est la position point mort. Donc, l'arbre d'entrée tourne, l'arbre de sortie ne tourne pas. Pour passer la vitesse, donc, on agit sur la fourchette pour déplacer le baladeur ou bien le pignon baladeur, engrenage, donc transmission de mouvement. Alors, les questions posées. Première question, déterminer le nombre de vitesses possibles pour cette boîte de vitesse ou bien pour cet exemple. Donc, si je vais vers l'animation, pour trouver le nombre de vitesses possibles, il faut s'intéresser surtout aux baladeurs. Donc, combien de positions ont les baladeurs? Si on analyse un peu la situation, le baladeur 7 a deux possibilités de mouvement. Soit il va être décalé vers la droite pour avoir l'engrenage entre 7 et 3, soit vers la gauche pour avoir le crabotage entre 1 et 7. Donc, il a deux positions. Pour le baladeur 9, il a aussi deux positions, soit il est à droite pour avoir l'engrenage entre 9 et 8, soit il est à gauche donc pour avoir l'engrenage entre 9 et 5. Donc ici, c'est la position point mort. Ici, c'est la position première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse et quatrième vitesse. Donc, pour répondre à la question, le nombre de vitesses, il est égal au produit des nombres des positions des baladeurs. Donc, chaque baladeur, dans notre cas, a deux positions. Donc, la bonne réponse, c'est 2 fois 2. Donc, ça fait 4 vitesses. Question suivante. Pour chaque vitesse, complétez la chaîne cinématique et donnez l'équation du rapport de transmission. Donc, première vitesse, le baladeur 7 au milieu et le baladeur 9 à gauche. Première vitesse, le baladeur 7 reste au milieu, le baladeur 9, il est à gauche. La chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée, roue 1, roue 2, arbre intermédiaire, roue 4, et enfin roue 9 vers l'arbre de sortie. Donc, la bonne réponse, arbre d'entrée vers 1, vers 2, 2 entraîne l'arbre intermédiaire, donc ensuite la roue 4, 9, arbre de sortie. Pour calculer le rapport de transmission dans ce cas-là, on fait produit des aides menantes sur produit des aides menées. On remarque ici qu'on a deux couples d'engrenage. Donc pour le premier couple, on a un menante, deux menées.
Donc Z1 sur Z2 fois deuxième couple d'engrenage, 4 entre 9, donc 4 menantes, 9 menées, ça nous donne Z4 sur Z9. Donc voilà pour la première position et le premier rapport. Deuxième vitesse, le baladeur 7 à droite et le baladeur 9 restent au milieu. Donc on va voir cette position. Deuxième vitesse, baladeur 7 à droite, baladeur 9 au milieu. La chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée 1, 2, arbre intermédiaire 3, 7 vers l'arbre de sortie. Donc, pour répondre à la question, nous sommes dans cette position-là. Arbre d'entrée 1, 1 entraîne 2. 2 va entraîner 3 par l'intermédiaire de l'arbre intermédiaire, 3, 7, vers l'arbre de sortie. Pour calculer le rapport, le deuxième rapport, R2 égale produit des aides menantes sur produit des aides menées, on a 1 menante, 2 menées pour le premier couple, donc Z1 sur Z2, fois deuxième couple, 3 et 7. Donc 3 menantes, 7 menées, ça nous donne Z3 sur Z7. Voilà pour le deuxième rapport. Troisième rapport, donc le baladeur 7 à gauche et le baladeur 9 au milieu. Troisième vitesse, baladeur 7 se déplace à gauche. Vous remarquez maintenant qu'il y a un crabotage à ce niveau-là. La chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée, 1, 7, arbre de sortie. Alors peut-être vous demandez, 1 aussi entraîne 2, c'est vrai? Donc 2, elle est en mouvement de rotation. L'arbre intermédiaire, il est en mouvement de rotation. Donc les roues 2, 3, 4, 5 et 8 sont en mouvement de rotation, mais qui n'ont pas d'influence sur l'arbre de sortie. Il n'y a pas d'engrenage à ce niveau. Donc même l'engrenage entre 1 et 2 n'a pas d'influence. Donc la chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée, 1, 7, vers l'arbre de sortie. Donc la bonne réponse, 1, 7, arbre de sortie. Pour calculer le rapport dans ce cas-là, on remarque qu'il y a ici un crabotage. C'est-à-dire, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie sont accouplés. Autrement dit, l'arbre de sortie et l'arbre d'entrée tournent à la même vitesse. Et on sait que le rapport, donc nous sommes dans le cas d'une prise directe, on appelle ça une prise directe, donc n sortie égale à n entrée, et on sait que la formule du rapport égale à n sortie sur n entrée, et puisque les vitesses sont égales, donc on va trouver R égale à 1 dans ce cas-là. Et pour la quatrième vitesse, le baladeur 7 au milieu et le baladeur 9 à droite. Donc si je passe à l'animation, quatrième vitesse, le baladeur 9 est déplacé à droite. Donc vous avez arbre d'entrée 1, 2, 5, 8, 9. 1, 2, 5, 8, 9. Donc, la bonne réponse. 1 entraîne 2. 2 entraîne 5 à travers l'arbre intermédiaire. Ensuite, 8, la roue intermédiaire. Et enfin, 9. Dans ce cas-là, pour calculer le rapport, vous allez remarquer que on a premièrement le premier couple Z1 sur Z2, 1 menant, 2 mené. Ensuite, 5 va entraîner 8. Donc 5 menantes, 8 menées, donc Z5 sur Z8. Ensuite, 8 menantes et 9 menées, donc Z5, Z8 sur Z9. Vous remarquez qu'on peut simplifier par Z8 pour retrouver à la fin que le rapport est égal à Z1 fois Z5 sur Z2 fois Z9. Autrement dit, on l'a dit l'autre fois, que la roue 8 n'a pas d'influence sur le calcul du rapport, mais elle a un rôle à jouer. Donc, c'est pourquoi la dernière question, justifier pourquoi la dernière vitesse, on l'a appelée marche arrière. Si je compare le sens de rotation de l'arbre de sortie par rapport à l'arbre d'entrée, dans ce cas-là, et je compte le nombre de contacts extérieurs. On a un contact extérieur entre 1 et 2, donc premier contact. Un deuxième contact ici entre 5 et 8, ça fait 2. Entre 8 et 9, un troisième contact. Et on a dit que si le nombre de contacts est impair, donc le sens est inversé. C'est pourquoi la dernière vitesse, on l'a appelée marche arrière,
car le sens de rotation est inversé puisqu'il y a trois contacts extérieurs. Donc voilà pour cet exemple. La suite, une autre boîte de vitesse qui se trouve sur vos manuels d'activité à la page 155. Donc si vous prenez vos manuels d'activité à la page 155, vous allez trouver ces deux photos. Ça montre un tour parallèle sur lequel on fait des usinages des pièces de révolution. Et la partie à étudier, c'est cette partie-là. Si on ouvre le couvercle de cette partie, voilà ce qu'on voit à l'intérieur. Donc vous remarquez la présence de plusieurs engrenages. Donc ici, il y a une boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse du tour, elle permet quoi? C'est de varier la vitesse de rotation du mandrin. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs possibilités de vitesse du mandrin en fonction des conditions de coupe, à savoir le diamètre de la pièce, le matériau de la pièce, le matériau de l'outil et la vitesse de coupe. Donc, la boîte de vitesse sur la machine, vous pouvez voir qu'il y a des leviers avec lesquels on peut changer les vitesses de rotation du mandrin. Vous avez aussi sur vos manuels d'activité le dessin d'ensemble. Donc, si je vous donne une idée rapidement sur le dessin d'ensemble. Donc, ici, c'est la broche sur laquelle est montré le mandrin. Ici, vous avez un, c'est l'arbre d'entrée, qui est entraîné en rotation par une poulie. La poulie elle-même, elle est entraînée par un moteur et des courroies qui ne sont pas représentées sur le dessin d'ensemble. Ici, on remarque la présence des engrenages. Donc, ça, c'est la partie boîte de vitesse. Et voilà, donc ça, c'est le dessin d'ensemble. Vous avez aussi la nomenclature sur vos manuels d'activité. Les questions posées. Première question, déterminer le nombre de vitesses possibles. Alors, si je vais vers une animation. Donc, ça c'est une petite animation qui montre la broche et l'arbre d'entrée et les engrenages qui se trouvent entre les deux. Donc vous pouvez remarquer ici la présence de deux baladeurs. Le baladeur constitué des roues 1, 2, 3 et un deuxième baladeur constitué des roues 8, 9, 10. Pourquoi j'ai appelé ces deux pièces des baladeurs? Parce qu'elles peuvent translater par rapport aux arbres. Par contre, les autres roues, ce sont des roues dentées ou bien des pignons parce qu'elles sont complètement liées aux arbres. Donc ça, c'est la position 1. Si je passe à la position 2, vous remarquez que le baladeur inférieur a changé de position. Position 3, donc le baladeur inférieur a trois possibilités de mouvement. Position 4, le baladeur inférieur revient à la position initiale et le baladeur supérieur, il est au milieu maintenant. 5, 6, donc pour la deuxième position du baladeur supérieur, vous avez trois possibilités de position du baladeur inférieur. Ensuite, le baladeur supérieur, il est dans sa troisième position et on a aussi trois nouvelles possibilités, donc 7, 8, 9. En fin de compte, le baladeur inférieur, il a trois positions et le baladeur supérieur, il a trois positions. Donc, pour répondre correctement à la question, on a dit que le nombre de vitesses, c'est le produit des nombres des positions des baladeurs. Donc, on a dans ce cas-là, 3 fois 3, ça fait 9 vitesses. Deuxième question, compléter le schéma cinématique ci-contre en plaçant les baladeurs A, il est là, et le baladeur B, qui est ici, vous allez les placer sur le schéma cinématique. Alors, c'est une question qui est posée sur vos manuels d'activité. Donc, compléter le schéma cinématique ci-contre en plaçant les baladeurs A et B dans la position, attention, permettant d'avoir la vitesse la plus faible de la broche. On va chercher la vitesse la plus faible. Le principe pour avoir la vitesse la plus faible, c'est que la roue menante doit être la plus petite et la roue menée doit être la plus grande pour que la roue menante tourne plus vite que la roue menée. Donc, si je vais vers l'animation, je vais chercher la position assurant la vitesse la plus faible. Je sais que le baladeur constitué de Z1, Z2, Z3, c'est un baladeur menant. Ce sont des roues menantes, parce que c'est eux qui vont entraîner 4, 5 et 6. La plus petite de ces trois roues menantes, c'est-à-dire, si je regarde sur le schéma, c'est Z3. Donc, elle doit être en contact avec la plus grande des roues réceptrices, c'est Z6. Donc, je dois chercher la position où Z3 est en contact avec Z6. Donc, ce n'est pas cette position. Ce n'est pas celle-ci. Je continue. Voilà. Donc, 3, il est en contact maintenant avec 6. Vous avez une petite roue qui entraîne une grande roue, donc une réduction de vitesse de rotation. Maintenant, je vais chercher la position où 8, 9, 10
vont entraîner 11-12 ici. La plus petite roue motrice, c'est Z10. La plus grande roue réceptrice, c'est Z12. Donc, il faut mettre Z10 avec Z12. Voilà. Donc, pour répondre à la question, vous devez redessiner les baladeurs qui sont à côté dans cette position pour avoir la vitesse la plus faible à la sortie. Bah, sinon, la deuxième question qui est posée, c'est de compléter le schéma cinématique lorsque vous mettez les baladeurs à leur position, comme je viens de vous le montrer, de terminer une première liaison ici entre la poulie et l'arbre d'entrée 1. Donc, si je vais vers le dessin d'ensemble, la poulie, elle est là. L'arbre d'entrée 1, il est là. Donc, si j'agrandis un peu, vous avez un emmanchement conique, une clavette, une rondelle et un écrou. Donc, ça nous donne une liaison encastrement entre la poulie et l'arbre. La deuxième liaison, c'est entre l'arbre et le bâti. Donc, sur le dessin d'ensemble, l'arbre et le bâti, si vous regardez bien, vous allez retrouver deux roulements à aiguilles ou bien deux douilles à aiguilles entre 1 et le bâti. Donc, ça nous donne une liaison pivot. La troisième liaison qui est demandée, c'est entre le baladeur que vous allez placer sur l'arbre et l'arbre. Donc, si je reviens vers le dessin, entre le baladeur constitué des roues 2 et 3, ce baladeur-là, par rapport à l'arbre, vous remarquez la présence des cannelures. Il n'y a pas d'arrêt en translation ni à droite ni à gauche, donc il y a une possibilité de mouvement de translation. Donc, ça nous donne une liaison glissière. La liaison suivante, c'est entre le pignon 5 et l'arbre intermédiaire sur lequel se trouve le pignon 7. Donc, si je reviens vers le dessin, entre le pignon 5, alors 5, elle est là, c'est ce pignon-là, et l'arbre 7. Alors, je remarque ici la présence de cannelure. Mais il y a un anneau élastique de ce côté et il y a un couvercle de ce côté. Donc, il y a un arrêt en translation à gauche et à droite. Et avec la présence des cannelures, ça nous fait un arrêt en rotation et un arrêt en translation à droite et un arrêt en translation à gauche, ce qui nous donne une liaison encastrement entre les trois roues dentées par rapport à l'arbre 7. Donc, ici, on a une liaison encastrement. Et enfin, une dernière liaison qui manque à ce niveau, c'est entre l'arbre 7 et le bâti. Sur le dessin d'ensemble, entre l'arbre intermédiaire et le bâti, présence de roulement aiguille. Donc, ça nous donne un guidage en rotation, ce qui fait une liaison pivot. Donc, si je reviens vers le dessin ou bien le schéma cinématique final, vous avez ces 7 positions, on a dit, les deux positions correctes des baladeurs assurant la vitesse la plus faible, une liaison encastrement entre la poulie et l'arbre, une liaison pivot entre l'arbre et le bâti, une liaison glissière entre l'arbre et le baladeur, une liaison encastrement entre la roue 5 et l'arbre, et enfin une liaison pivot entre l'arbre intermédiaire et le bâti. Alors, deuxième exemple qui se trouve sur vos manuels d'activité, c'est la boîte des avances de fraiseuse Milco. Donc, cette activité, c'est à la page 181. Donc, c'est un système très intéressant. Ça nous donne une très belle activité ou bien application sur les boîtes de vitesse. Donc, si je vous donne rapidement une idée sur la boîte des avances de la fraiseuse. Donc ici, la boîte des avances, son rôle, c'est quoi ? C'est de commander la table longitudinale. En cours d'usinage, lorsqu'on monte une pièce sur la table longitudinale, la table doit être animée d'un mouvement de translation. Alors, on a trois façons pour faire ce mouvement-là. Soit la façon manuelle, c'est-à-dire l'opérateur, il est ici, il prend cette manivelle et il fait tourner manuellement. La table commence à bouger ou bien à translater parce qu'il y a un système vis-écrou à l'intérieur. Ou bien l'opérateur a le choix de mettre la table en avance automatique. Il peut s'éloigner de la machine et vous pouvez remarquer, si vous le faites dans le TP, que la manivelle tourne toute seule et la table avance.
Donc, comment on peut faire ça? Grâce à cette boîte des avances. Il y a un levier de commande. Le levier de commande, s'il est en position au milieu, donc c'est la commande manuelle. Si je tire le levier vers moi dans ce sens-là, j'aurai une avance rapide, plutôt lente, une avance automatique lente. Et si je pousse le levier vers l'avant, donc j'aurai une avance de la table en automatique rapide. Donc, avance manuelle, avance, on a dit vers ce sens-là, donc avance lente, et vers l'avant, c'est une avance automatique rapide. Comment tout ça est possible? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Donc, vous avez le dessin d'ensemble de ce mécanisme. Alors, première chose, il faut comprendre le dessin d'ensemble. Ce dessin, il est disposé de comment? On a fait une coupe longitudinale de cette façon. Et c'est la vue de dessus. Donc, le moteur et la manivelle que vous voyez par-dessus, on peut les voir à ce niveau-là. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est la manivelle. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs engrenages. Vous pouvez voir aussi la position des boutons. Donc, si j'essaie de détailler ce dessin d'ensemble, alors, premièrement, je remarque la présence ici d'une roue triple. C'est une roue dentée triple, faite à trois roues dentées de différentes tailles. Ensuite, il y a la présence d'un baladeur à ce niveau qui est entraîné en translation par le bouton 26 et cette fourchette. Il y a aussi un deuxième baladeur à ce niveau entraîné par ce bouton et cette fourchette. Il y a une roue dentée double à ce niveau-là. Et vous remarquez que parfois je dis roue dentée, parfois je dis baladeur. Le baladeur, il bouge parce qu'il n'y a pas un arrêt en translation. Par contre, j'ai dit ça, c'est une roue dentée double parce qu'il y a un arrêt en translation des deux côtés. Donc, une roue dentée double. Un autre baladeur à ce niveau-là, manipulé par ce bouton et cette fourchette. Vous remarquez qu'il y a une distance sur le dessin, mais il faut savoir que dans l'espace, la position de ce baladeur, elle est à ce niveau. Donc, lorsqu'on a fait le coupe, on a ramené la position de baladeur pour avoir le dessin complet sur un plan. Enfin, il y a une roue dentée double munie d'un limiteur de couple avec billes et ressorts. C'est l'objet d'une activité aussi. Voilà. Le limiteur de couple, il est en 3D ici. La roue dentée double. Et vous avez à ce niveau-là un baladeur. Et si vous regardez bien, il y a des griffes des deux côtés. Donc, on peut l'appeler crabeau. Donc, le voilà, le crabeau. En 3D, c'est ça, le crabeau. Alors, ensuite, si j'essaie de voir en couleur ce système, c'est-à-dire le groupement cinématique ou bien les classes d'équivalence, vous avez en vert tout ce qui ne bouge pas, donc c'est le bâti. Vous avez ici, en jaune, la manivelle qui est encastrée avec cet arbre neuf. Et cet arbre, vous remarquez qu'il est coupé ici, donc il sera accouplé à une vis qui entraîne la table en translation. Ensuite, vous avez l'arbre moteur sur lequel est taillée une vis sans fin, une roue creuse. Donc, à ce niveau-là, vous avez un engrenage de ce type, vis sans fin et roue creuse. Ensuite, vous avez la roue dentée triple, le baladeur entraîné par ce bouton, un arbre intermédiaire, l'autre baladeur, le deuxième baladeur, cette roue dentée double qui est encastrée avec cet arbre, un troisième baladeur qui est entraîné par ce bouton, La roue dentée double munie du limiteur de couple. Et vous avez le crabeau. Alors, le crabeau ici, c'est lui qui est manipulé par le levier, si vous vous rappelez, le levier extérieur, pour avoir les trois positions. Donc, vous remarquez ici, j'ai mis le crabeau au milieu, en position milieu. Donc, si je reviens vers les questions... Première question qui est posée. À partir du dessin d'ensemble de la boîte des avances et en fonction des positions que peut occuper chacune des roues dentées 23, 28, 32, dans le cas d'une commande automatique,
des avances, déterminer le nombre de vitesses possibles. Combien on a combien de possibilités de vitesse. Alors, si je reviens vers l'animation, on a dit tout à l'heure, pour trouver le nombre de vitesses possibles, il faut s'intéresser aux positions des baladeurs. Pour ce baladeur-là, il a deux possibilités. Soit il est à droite pour avoir cet engrenage, soit il sera à gauche pour avoir un deuxième engrenage. Pour le deuxième baladeur, il peut être soit à droite, soit à gauche. Donc, il a deux positions. Et le troisième baladeur aussi, il a deux possibilités. Soit il est à droite pour avoir cet engrenage, soit il sera déplacé vers la gauche pour avoir cet engrenage-là. En résumé, vous avez deux positions. Donc, si je reviens à la question, ça va me donner le nombre de vitesses. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 vitesses. Question 2. Pour chacune des positions du baladeur, complétez la chaîne cinématique. Baladeur 4 en position 2. Alors, vous remarquez sur le schéma ici, vous avez ici, c'est le baladeur 4. Il a trois possibilités. Soit il est en position 1 pour avoir le crabotage à ce niveau, soit il est au milieu, donc pour avoir la position 2, soit il est à droite pour avoir le crabotage avec la roue 5. Donc on a dit position 2, c'est-à-dire la position représentée par le schéma. Dans ce cas-là, lorsque le baladeur il est en position au milieu, l'opérateur à ce niveau il va prendre la manivelle, il va la faire tourner. Donc, il va entraîner en rotation cet arbre-là, l'arbre 9, et l'arbre 9 va entraîner directement la vis qui entraîne la table de la machine. Donc, la bonne réponse, manivelle, l'arbre 9 vers la vis de manœuvre. Manivelle, 9, vis de manœuvre. Deuxième question. Pour chacune des positions, on a posé la question, si le baladeur 4, maintenant, il est en position 3, dans le cas de l'avance rapide, le baladeur 3, il est en position 3, le crabeau, il est en position 3. Donc, si je reviens vers l'animation, baladeur en position 3, vous remarquez qu'il y a un crabotage à ce niveau. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, le moteur va entraîner la vis sans fin, repère 6, la vis sans fin entraîne la roue creuse, dans ce sens, 5. Ensuite, 5, puisqu'il y a un crabotage avec le baladeur 4, donc 5 va entraîner 4, et 4 va entraîner 9. Donc on aura moteur, 6, 5, 8, c'est cette pièce, 4, ensuite 9. Donc, ici, vous remarquez, le crabeau, il est en position 3. Donc, on aura 6, 5, 8, 4, 9 et vers la vis de manœuvre. Si le baladeur 4 se trouve maintenant en position 1, ici, donc, sur le dessin d'ensemble, si le baladeur se trouve dans cette position. Je répète, regardez bien. Le baladeur, il est au milieu et il va être déplacé à gauche. C'est la position 1. Dans ce cas, le moteur entraîne la vis sans fin 6. La vis sans fin 6 entraîne la roue 5. 5 va entraîner 8 grâce à cette clavette. Mais tout à l'heure, on avait un crabotage à ce niveau, donc on est passé directement à 9. Maintenant, on ne peut pas le faire. Donc, on va chercher un autre chemin. Alors, la pièce 8, vous remarquez qu'il y a un pignon arbré ici. Donc, ce pignon va entraîner cette roue dentée triple 19. Donc, 6, 5, 8, 19. Alors, maintenant, 19, elle est en mouvement de rotation. Mais sauf que vous voyez, le baladeur, il n'est pas en position. Donc, je vais sélectionner une vitesse. Donc, à l'aide de ce bouton, je vais déplacer le baladeur à droite, par exemple. Comme je peux le déplacer à gauche. J'ai choisi cette position. Maintenant, la roue 19 entraîne la roue 23. 23, grâce aux cannelures, va entraîner l'arbre 21. 21 va entraîner le deuxième baladeur, qui est 28.
Alors 28, maintenant, il va tourner librement parce qu'il n'est pas engrainé avec les roues réceptrices. Donc, je dois choisir une position. À l'aide du deuxième bouton, je vais positionner le deuxième baladeur. Voilà, il est en position. Maintenant, 28 va entraîner 7. 7 est encastré sur l'arbre 17. Donc, l'arbre 17 commence à tourner. Il entraîne la roue dentée double 32, plutôt le baladeur 32. Le baladeur, il doit être positionné aussi parce qu'il n'y a pas un engrenage à ce niveau. Donc, je vais le placer à droite. Et comme ça, le baladeur va entraîner la roue double. Et la roue double va entraîner le crabeau parce qu'il y a un crabotage à ce niveau. Et vers l'arbre 9, donc vers la vis de la table. Ce qui fait, si je résume, 6, 5, 8. Ensuite, on est passé par ici, 19. Ensuite, 23, 21, 28, 7, 17, 32, 3, 4, 9. Donc voilà pour la position 1. Donc sur le schéma cinématique, vous voyez maintenant, nous sommes dans la position 1. La chaîne qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est 6. 5, 8, 19, 23, 21, 28, 7, 17, 32, 3, 4, 9, et on est arrivé à la vis de manœuvre. Pour la question suivante, on me demande de, sachant que les engrenages 19, 23 et 7, 28 sont à denture cylindrique droite, complétez le tableau ci-dessous. Alors, un petit rappel sur les engrenages. Donc, c'est un tableau dans lequel on va déterminer le module, nombre de dents, le diamètre et l'entraxe. Ça fait une occasion pour que vous révisez les engrenages. Donc, première chose à remarquer, ou bien la première chose sur les engrenages, on sait que deux roues dentées ne peuvent être engrenées correctement que si elles ont le même module. Donc, 19B et 23B, c'est un couple. 19B, il est là. 23B, il est là. Donc 19B, 23B, c'est un couple engrainé, donc il faut que 23B a le même module que la roue 23B. Donc. Et je remarque aussi que pour le deuxième couple, 28A, 7A doivent avoir le même module. Donc ça me donne 1,5, 1,5. Ensuite, je remarque sur le schéma cinématique et sur le dessin d'ensemble, que l'entraxe entre 19B et 23B, il est le même qu'entre 28A et 7A. 19B et 23B, l'entraxe, la distance entre les axes, elle est la même qu'entre 28A et 7A. C'est la même distance, même sur le dessin d'ensemble. Il faut vérifier. Donc ça, c'est la roue 23, ça, c'est la roue 19. L'entraxe, c'est la distance entre les axes. Si je la compare avec l'entraxe de la roue 28 et la roue 7, je remarque que c'est la même distance. Donc, de ce fait, puisque j'ai l'entraxe entre 28A et 7A, je conclus que l'entraxe entre 19B et 23B, c'est 45. Maintenant, j'ai, par exemple pour 19B, j'ai le module et j'ai le nombre de dents. Donc, on sait que la relation qui lie D, M et Z, c'est D égale à M fois Z. Ce qui me donne D19B égale à M fois Z19B, 1,5 fois 16, ça nous donne 24. Pour le nombre de dents de la roue 7A, on a D et on a M. Donc Z égale à D sur M. Z7A égale à D7A sur M. Ça nous donne 66 sur 1,5. Ça fait 44 dents. Ensuite, si j'ai l'entraxe et j'ai le diamètre du pignon 19B, je peux déterminer le diamètre de 23B en utilisant la formule A est égal D plus D sur 2. Le diamètre du pignon plus le diamètre de la roue sur 2. Donc A 19B 23B égale à D 19B plus D 23B sur 2. Application numérique. Je peux tirer de cette formule-là D 23B. Donc ça fait 2A moins D 19B. Ce qui nous donne en application numérique 66 millimètres. Maintenant, de la même façon, je peux tirer D28A, j'ai l'entraxe et j'ai D7A, j'utilise la même formule, A28A7A égale à D28A plus D7A sur 2,
Je cherche D28A, ça fait 2A moins D7A. Donc ça me donne 2 fois 45 moins 66, 24 mm. Enfin, j'ai les diamètres de la roue 23B et le diamètre de la roue 28A. Et j'ai les modules, donc Z égale à D sur M. Donc pour la roue 23B, D23B sur M, 66 sur 1,5, ça nous donne 44. Et pour la roue 28A, 24 sur 1,5, ça nous donne 16 dents. Voilà donc pour cette question. La question suivante. Identifier les couples des roues en prise assurant le déplacement de la table avec la plus faible vitesse d'avance lente et donner l'expression du rapport Hermini. Attention, on me demande de chercher la combinaison des roues qui assure la vitesse de déplacement de la table la plus faible. Donc, comme on l'a dit pour l'autre application, il faut chercher la roue menante la plus petite qui entraîne la plus grande roue réceptrice. Donc, le choix, où est-ce qu'il va se faire? C'est au niveau des baladeurs. Ici, D19A et D19B vont entraîner 23A et 23B. Je cherche la plus petite entre D19B et D19A. Ce sont les roues motrices. Donc, c'est D19B. Elle doit entraîner la plus grande entre 23A et 23B. Donc, elle va entraîner 23B. Donc, ce baladeur, il doit être à gauche. Avant d'arriver au niveau des baladeurs, donc je vais commencer déjà la chaîne cinématique, c'est-à-dire le mouvement commence du moteur. Donc le moteur entraîne ici sur le schéma la vis sans fin 6. Regardez bien sur le schéma cinématique la représentation d'une vis sans fin et d'une roue creuse. Donc le moteur, il est à ce niveau maintenant. Donc le premier couple, c'est 6-5. Donc 6 entraîne 5. Ensuite, on a 8 avec 19. Voilà. Ensuite, on va placer le baladeur, comme on l'a dit tout à l'heure. La plus petite roue menante va entraîner la plus grande roue réceptrice. Donc, 19B avec 23B. Regardez bien. J'ai placé le baladeur de cette façon. Donc, maintenant, j'ai le couple 19B-23B. Ensuite, pour le baladeur suivant, les roues 28A, 28B vont entraîner 7A ou 7B. Il faut choisir la roue menante la plus petite avec la plus grande roue réceptrice. Alors, la plus petite entre 28A et 28B, c'est 28A. La plus grande entre 7A et 7B, c'est 7A. Donc, il faut placer 28A avec 7A, de cette façon. Et comme ça, on a le couple 28A, 7A. Donc, le couple suivant, c'est 28A, 7A. Ensuite, pour le troisième baladeur, donc 32B et 32A vont entraîner 3A et 3B. Donc 32B, la plus petite, doit entraîner la plus grande des 3, donc c'est 3B. Donc il faut placer ce baladeur à droite. Et comme ça, vous avez le couple 32B, 3B. Donc, dans cette position, on a 19B, avec 23B, 28A avec 7A et 32B avec 3B. Et pour calculer le rapport R minimal, il suffit de faire produit des aides menantes sur produit des aides menées. Alors 6 menantes, 5 menées, ça nous donne Z6 sur Z5, 8 menantes, 19 menées, et ainsi de suite, donc 19B sur 23B, 28A sur 7A, et enfin Z32B sur Z3B. Voilà pour le plus petit rapport qui assure la plus petite ou bien la plus faible vitesse à la sortie. Alors ensuite, on me demande, sachant que N moteur, le moteur tourne à 2850 tours par minute, le nombre de filets de la vis sans fin Z6 égale à 2 filets, et on m'a donné le nombre de dents de toutes les roues dentées, calculer la vitesse de rotation de l'arbre N9 minimal. Puisqu'on a R mini, on sait que R mini égale à N sortie sur N entrée. Donc, R mini égale à N9 mini sur N1. Je peux tirer N9 mini, R mini fois N moteur. Il suffit de faire l'application numérique. Vous avez toutes les données. Donc, le nombre de dents des roues multiplié par N moteur 2850, ce qui nous donne un résultat de 4,32 tours par minute. Pour la question suivante, la vis de manœuvre de la table
à un pas P égale à 5 mm. Calculez la vitesse d'avance de la table en millimètres par minute. Alors, pour un système vis-écrou, vous avez la formule qui permet de calculer la vitesse linéaire qui est égale à n fois le pas du filetage. Attention, le pas réel du filetage. Donc, VA mini égale à N9 mini fois le pas. Donc, je fais l'application numérique. Je dispose de N9 mini. Le pas, c'est 5. Ça me donne 432 fois 5, ce qui me donne une vitesse d'avance minimale de 21,6 mm par minute. Pour la question suivante, on me demande de chercher, identifier les couples des roues en prise assurant le déplacement de la table avec la vitesse maximale. Maximale maintenant. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, la roue menante doit être grande et la roue réceptrice doit être petite pour que la roue menante tourne moins vite que la roue réceptrice. Si je regarde, commençons déjà par le moteur. Donc on a 6 qui entraîne 5. Ça, c'est le premier couple, il ne va pas changer. Ensuite, vous avez 8 qui entraîne 19, ça ne va pas changer. Maintenant, on va choisir la position du baladeur, 23A, 23B. Donc, on doit mettre la plus grande roue motrice avec la plus petite roue réceptrice. La plus grande entre 19B et 19A, c'est 19A. Et la plus petite entre 23A, 23B et 23A, c'est 23A. Donc, il faut déplacer le baladeur à droite. Et comme ça, on a l'engrenage entre 19A et 23A. Donc, le couple suivant, c'est 19A, 23A. Pour le baladeur suivant, il faut mettre la plus grande roue motrice avec la plus petite roue réceptrice. Donc, la plus grande entre 28A et 28B, vous voyez que c'est 28B. La plus petite entre 7A et 7B, donc c'est 7B. Donc il faut placer le baladeur à gauche. Et comme ça, on a l'engrenage entre 28B et 7B. Donc le couple suivant, c'est 28B, 7B. Et enfin, pour le troisième baladeur, donc la plus grande roue motrice, c'est 32A, qui entraîne la plus petite entre 3A et 3B, donc c'est 3A. Donc le baladeur doit être à gauche. Et comme ça, on a le couple 32A, 3A. Pour calculer maintenant le rapport maximal, comme on l'a fait tout à l'heure, produit des aides menantes sur produit des aides menées, donc Z6 sur Z5, Z8 sur Z19, etc. Donc vous aurez 19A sur 23A, 28B sur 7B, 32A sur 3A. La question suivante, c'est de calculer la vitesse de rotation maximale, N9 maxi. Donc on a R maxi et on sait que R maxi égale à N sortie sur N entrée, donc N9 maxi sur NM. Je peux tirer N9 maxi. Ça me donne R maxi fois NM. L'application numérique me donne 111,9 tours par minute. La plus petite vitesse, c'est 4, et la plus grande, c'est 111,9. Donc je vais chercher maintenant la vitesse de déplacement de la table. Par la même formule que tout à l'heure, VA maxi égale à N9 maxi fois le pas. Donc ça me donne 111,9 multiplié par 5, ça me donne 559,2 mm par minute. Donc voilà pour cette application. Alors, une autre application que vous faites comme activité en quatrième année, c'est la boîte vitesse manuelle d'automobile. Donc dans vos laboratoires de mécanique, vous disposez d'une maquette didactique de boîte de vitesse que vous utilisez pour comprendre le fonctionnement d'une boîte de vitesse d'une automobile. Donc, ici, je vais vous montrer une vidéo qui explique un peu le fonctionnement de la boîte de vitesse. Donc, ici, on a une boîte de vitesse manuelle d'une voiture. Donc, le principe de fonctionnement d'une boîte de vitesse. Donc, la boîte de vitesse, elle est essentiellement constituée par un arbre d'entrée, dit arbre primaire, un arbre intermédiaire, donc ça c'est l'arbre d'entrée, ça c'est l'arbre intermédiaire sur lequel il y a des roues dentées, et un arbre de sortie à ce niveau-là, et d'autres roues dentées à ce niveau. Et vous voyez ici le mécanisme de commande. Alors l'arbre d'entrée, il est lié au moteur, l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, il est lié au moteur par l'embrayage. L'embrayage, il permet
d'accoupler ou désaccoupler le moteur et la boîte de vitesse. Ici, nous sommes dans le cas désaccouplé. Ici, nous sommes dans le cas accouplé. Accouplé, ça veut dire la transmission est possible. Désaccouplé, ça veut dire la transmission n'est pas possible. Donc, les roues dentées sur l'arbre moteur, sur l'arbre d'entrée et sur l'arbre intermédiaire sont complètement liées aux arbres. Par contre, les roues dentées sur l'arbre de sortie, ce sont des roues folles ou bien des pignons fous. C'est-à-dire, ça tourne à vide. Il y a des roulements à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi l'arbre de sortie n'est pas en train de tourner. Donc, pour changer de vitesse, l'opérateur ou bien le conducteur possède le levier de vitesse muni de cette tige et des fourchettes qui entraînent ce qu'on appelle des baladeurs avec des synchroniseurs. Je vais détailler les synchroniseurs par la suite. Donc, pour passer en première vitesse, le conducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur la pédale d'embrayage. Pour faire quoi? Pour séparer entre le moteur et la boîte de vitesse. Ensuite, à l'aide du levier, il fait passer la première vitesse pour lier le pignon fou avec l'arbre de sortie. Maintenant, s'il relâche la pédale d'embrayage, l'embrayage va permettre la puissance du moteur de passer par l'arbre d'entrée, par l'arbre intermédiaire, les roues. La roue, elle est maintenant liée à l'arbre de sortie. Ça entraîne l'arbre de sortie vers les cardans, vers les roues de la voiture. Pour passer en deuxième vitesse, le conducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur la pédale d'embrayage pour arrêter la transmission, de mouvement ou de puissance du moteur vers la boîte des vitesses. Ensuite, à l'aide du levier, il fait déplacer le baladeur qui réalise un crabotage entre la roue et le baladeur. Le baladeur étant lié avec des cannelures avec l'arbre de sortie, ça entraîne l'arbre de sortie en rotation si le conducteur relâche la pédale. Donc, dans le cas où il relâche la pédale, la transmission de mouvement va se faire dans ce sens-là à travers le deuxième engrenage. Bien sûr, pour la troisième vitesse et la quatrième vitesse, c'est le même principe. Il appuie sur la pédale d'embrayage pour interrompre la transmission de mouvement. Il fait passer le baladeur dans la position voulue. Et ensuite, il relâche la pédale pour que la transmission... Ici, nous sommes... On va revoir le changement en troisième vitesse. Voilà, maintenant, l'engrenage qui fonctionne, c'est cet engrenage-là. Et le passage en quatrième vitesse. Le problème avec ces boîtes de vitesse, c'est quoi? On ne peut pas changer, du tout avec les boîtes de vitesse conventionnelles, on ne peut pas mettre des engrenages en mouvement ou bien faire un engrenage entre deux roues dentées lorsque le mouvement y est. Donc il faut interrompre le mouvement avant. Pour les boîtes de vitesse des voitures, ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. À chaque fois qu'on va changer de vitesse, on va arrêter le moteur. Et le problème, où est-ce qu'il se situe? C'est que les roues sont toujours en mouvement de rotation. Donc l'arbre de sortie, il est toujours en mouvement de rotation. C'est pourquoi ces boîtes de vitesse sont équipées de ce qu'on appelle un synchroniseur. Comme son nom l'indique, le synchroniseur, il fait quoi? Il égalise les vitesses de rotation entre l'arbre de sortie et la roue folle. Lorsque les deux pièces tournent à la même vitesse, donc on peut réaliser l'engrenage ou bien le crabotage. Et on va détailler ce phénomène-là par la suite. Voilà donc pour cette petite vidéo. Alors, pour le mécanisme de commande, comment le conducteur peut changer de vitesse? Que vous voyez dans les voitures comme levier de vitesse. Alors, on peut voir ça par une petite animation. Voilà. Donc, commande de fourchette. Alors, vous voyez ici l'opérateur lorsqu'il agit sur le levier. Le levier, il entre dans une rainure ici. Et à l'aide d'un mouvement, il fait déplacer la fourchette qui entraîne le baladeur en translation. On peut revoir ça. Donc regardez comment le levier a été tourné. Ensuite, il entre dans la rainure de la fourchette et grâce à un mouvement de basculement, il fait déplacer le baladeur dans la première position. Pour changer de vitesse, donc si je prends une deuxième position, regardez bien, donc le levier est tourné. Ensuite, à l'aide d'un basculement dans le sens inverse, le baladeur recule vers l'arrière pour changer de vitesse. Donc ça, c'est le mécanisme de commande par fourchette. Maintenant, pour le synchroniseur, le principe de fonctionnement d'un synchroniseur. Donc le synchroniseur est un dispositif égalisant la vitesse de deux composants avant d'établir leur liaison par obstacle, par exemple par crabotage. On a dit que le problème
au niveau des boîtes de vitesse, c'est que si la boîte de vitesse est conventionnelle, ou bien une boîte de vitesse à deux rapports, comme on l'a vu au premier exemple, le problème, c'est lors du changement de vitesse. Donc, le principe, c'est quoi? Il faut égaliser la vitesse de rotation des éléments qui vont être mis en contact pour réaliser une liaison par obstacle. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? La roue dentée, cette roue dentée, porte une petite denture extérieure remplaçant les griffes. On parle de ces dentures-là. Pour le crabotage, et une surface tronconique extérieure. Voici la surface tronconique. Pour la liaison par adhérence. La roue dentée est en liaison pivot avec l'arbre. Cette roue dentée, elle est en liaison pivot par rapport à l'arbre. Autrement dit, l'arbre peut tourner à vide à l'intérieur de la roue. Lorsque l'arbre tourne, la roue dentée ne tourne pas. Le composant B, il est coloré en vert ici. Il est lié à l'arbre par des cannelures. Donc, il peut translater par rapport à l'arbre, mais il y a une liaison en rotation. Si l'arbre tourne, il va entraîner en rotation la pièce B. Donc, la pièce B est en liaison glissière avec l'arbre. Il possède deux surfaces tronconiques aussi, intérieures, pour la liaison par adhérence. La bille et le ressort assurent l'arrêt en translation par verrouillage entre A et B. Donc ici, il y a la présence d'une bille et d'un ressort qui réalisent la liaison entre B et A. Alors ici, il y a une cavité, c'est un logement pour la bille. Alors le principe maintenant de fonctionnement. Position point mort, c'est la figure 1 ici. Vous voyez que le baladeur, il n'est pas en contact avec la roue. L'arbre peut tourner à vide dans ce cas-là. Le crabotage s'effectue en deux temps. La synchronisation se fait en deux temps. A et B, la pièce en violet et la pièce verte, se déplacent vers la roue dentée C. Donc l'opérateur, grâce au levier et la fourchette, va faire déplacer cet ensemble vers la gauche. On aura la liaison au niveau de la surface tronconique. Donc les surfaces coniques entrent en contact. Il y a adhérence au niveau des surfaces coniques. Donc, la roue et la pièce B sont liées. Donc, puisque l'arbre fait tourner la pièce verte, donc la roue commence à tourner maintenant. Donc, c'est la figure 2. Donc, ici, vous voyez ici, il y a le contact entre B et la roue. Maintenant, l'arbre tourne, il entraîne B en rotation et B entraîne la roue dentée à la même vitesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'opérateur continue à pousser vers l'avant. Donc, la pièce A va être déplacée vers l'avant. La bille va s'effacer. Donc, elle va quitter son logement. Elle va pousser le ressort vers le bas. Elle va comprimer le ressort. Et elle va continuer à translater pour réaliser le crabotage. Maintenant, l'arbre tourne. Il entraîne la pièce B. La pièce B entraîne la pièce A. Et il y a crabotage avec la roue. La roue, maintenant, elle est complètement liée à l'arbre. Donc, la liaison est réalisée et la transmission de puissance est réalisée aussi. Donc, on peut voir ça par une petite animation. Regardez bien. Ici, on a le contact au niveau de la surface conique. Ensuite, la pièce en violet continue à tourner et il y a maintenant le crabotage. Et comme ça, le mouvement est transmis de l'arbre vers la pièce verte, vers la pièce violet, vers la roue dentée. Et la puissance est transmise. Donc, je peux répéter cette animation. Regardez bien. Première étape, liaison sur la surface conique. Deuxième étape, la liaison par obstacle, c'est-à-dire par crabotage. Voilà, donc, c'est pour le synchroniseur. Voilà. Donc, si je reviens maintenant au détail de la boîte de vitesse, ici, on a le schéma cinématique de la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse à 5 rapports, celle qui correspond à l'activité ou bien à la maquette que vous avez dans vos laboratoires de mécanique. Première vitesse, c'est à ce niveau-là. Alors, vous avez ces indications. MA pour dire marche arrière. 1, c'est la première vitesse. 2e, 3e, 4e et 5e. Donc, pour la première vitesse, le baladeur 17, ou bien la roue 17, c'est un baladeur parce qu'il translate, va être déplacé à droite.
Et comme ça, on a un engrenage entre 17 et 16. Dans ce cas-là, ici, vous avez l'arbre d'entrée. Ici, vous avez l'arbre intermédiaire sur lequel il y a les roues qui sont encastrées sur cet arbre. Et ici, vous avez l'arbre de sortie. Le voilà. Et si vous vous rappelez bien, j'ai dit que les roues sur l'arbre de sortie sont des roues folles ou bien des pignons fous. Ça veut dire qu'il y a des liaisons pivots. Donc, l'arbre tourne à l'intérieur de ces roues-là. Donc, lorsqu'on a l'engrenage dans ce cas-là, la chaîne de transmission, elle est la suivante. Arbre d'entrée, il entraîne 3. Ensuite, 11. L'arbre intermédiaire, 16. 17, vers l'arbre de sortie. Donc, arbre d'entrée, 3, 11, 16, 17, arbre de sortie. Donc, pour le rapport, produit des aides menantes sur produit des aides menées, donc Z3 sur Z11 fois Z16 sur Z17. Voilà le premier rapport en première. Donc, si je compare le sens de rotation, ici, on a un contact extérieur et un deuxième contact extérieur à ce niveau, deux contacts extérieurs. Donc, c'est un nombre pair, donc même sens de rotation. Deuxième vitesse. Alors, pour la deuxième vitesse, la deuxième vitesse, elle est à ce niveau-là. Le baladeur à crabeau va être translaté à gauche. Regardez bien. Il y a un crabotage à ce niveau. Donc, la chaîne de transmission dans ce cas-là, c'est arbre d'entrée, 3, 11, 14, 5, arbre de sortie. Arbre d'entrée, 3, 11, 14, 5, arbre de sortie. Pour le rapport, pour calculer le rapport de la deuxième vitesse, produit des aides menantes sur produit des aides menées, donc on a Z3 sur Z11 fois Z14 sur Z5. Pour le sens de rotation, on a un premier contact extérieur à ce niveau, un deuxième contact à ce niveau, donc l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie tournent dans le même sens. Pour la troisième vitesse, le crabeau, il sera déplacé, le baladeur à crabeau sera déplacé à droite, donc dans le sens de la flèche. Le crabotage à ce niveau-là, attention ici, regardez bien, l'arbre d'entrée entraîne 3, et puisque 3 a un crabotage avec le baladeur entraîne directement l'arbre de sortie. Nous sommes dans le cas de la prise directe. Donc, ce qui nous donne arbre d'entrée, 3, et arbre de sortie directement. Pour calculer le rapport dans ce cas-là, on a dit qu'il y a un crabotage à ce niveau. Donc la vitesse à l'entrée et la vitesse à la sortie est la même, ce qui nous donne un rapport égal à 1. N sortie égale à N entrée. En N entrée, nous sommes dans le cas d'une prise directe. Pour la quatrième vitesse, pour le sens de rotation, alors, vous avez un crabotage, donc c'est comme si vous avez un accouplement. Donc, les deux arbres, forcément, ça tourne dans le même sens. Pour la quatrième vitesse, donc quatrième, c'est à ce niveau-là. Donc, ce baladeur-là sera déplacé vers la gauche. Voilà. Vous avez un crabotage à ce niveau-là. La chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée, 3. Ensuite, 11, l'arbre intermédiaire, 13 et 7. Donc, arbre d'entrée, 3, 11, 13, 10, 7, vers l'arbre de sortie. Pour le rapport de la quatrième vitesse, vous avez produit des aides menantes sur produit des aides menées, Z3 menante, Z11 menée, Z3 sur Z11 et Z13 sur Z7. Pour le sens de rotation, un contact extérieur à ce niveau, un deuxième contact à ce niveau, deux contacts extérieurs, ça nous donne le même sens de rotation. Voilà. Pour la cinquième vitesse, la cinquième, elle est à ce niveau, donc le baladeur va être déplacé à droite. On aura un crabotage à ce niveau-là.
ce qui nous donne la chaîne cinématique arbre d'entrée 3, 11, 12, 8, arbre de sortie. Donc arbre d'entrée 3, 11, 12, 8, arbre de sortie. Le rapport de la même façon, Z menante sur Z menée. Donc vous avez Z3 sur Z11 fois Z12 sur Z8. Pour le sens de rotation, vous avez un contact extérieur à ce niveau, un deuxième contact à ce niveau. Toujours, on a le même sens de rotation. On va vérifier maintenant pour la vitesse marche arrière. Alors, en marche arrière, elle est là, marche arrière, ce baladeur-là va être déplacé à gauche. Et comme ça, on a un engrenage entre 18 et 19. Dans ce cas-là, la transmission de mouvement se fait de l'arbre d'entrée vers 3, 11, 16, 19, 18 et 17, vers l'arbre de sortie. Donc, pour le arbre d'entrée, 3, 11, 16, 19, 18 et 17 vers l'arbre de sortie. Peut-être vous remarquez sur vos schémas qu'il y a un trait interrompu qui représente l'arbre ici. Parce que c'est un arbre qui n'est pas dans le plan du dessin. Il a été ramené sur le plan du dessin. C'est pourquoi on l'a représenté en trait interrompu. Pour le sens de rotation de la marche arrière maintenant, si on vérifie bien, avant c'est le rapport. Donc le rapport en marche arrière, vous avez Z3 sur Z11 fois Z16 sur Z19 fois Z18 sur Z17. Le sens, donc si je compte le nombre de contacts extérieurs, on a un premier contact à ce niveau, un deuxième contact entre 16 et 19 et un troisième contact entre 18 et 17. Donc trois contacts extérieurs, ce qui nous donne un sens de rotation inversé. C'est pourquoi c'est la marche arrière, c'est la vitesse marche arrière. Donc application. Application 1, je l'ai tiré du sujet de bac 2019, session principale, unité de fabrication de fûts. Vous avez ici le QR code, donc si vous voulez télécharger ce sujet-là, vous n'avez qu'à scanner le QR code avec vos téléphones et vous aurez le lien directement vers le sujet. Donc dans ce sujet-là, alors, le mécanisme, il est ici. Ça permet de fabriquer des fûts. Le fût, si vous voulez, c'est cet élément-là. Et de l'assembler avec des couvercles. La partie mécanique qui nous intéresse dans ce sujet, c'est cette partie-là. Celle qui entraîne le fût en rotation. Vous avez le dessin d'ensemble du système. Donc, toujours dans un sujet de bac, il vaut mieux prendre le temps de bien lire le dessin d'ensemble. Donc, il faut toujours chercher l'entrée du mouvement et la sortie du mouvement. Donc, un premier coup d'œil déjà sur le dessin d'ensemble, on remarque la présence de plusieurs engrenages, un engrenage conique à ce niveau-là. Alors, vous avez la chance d'avoir des dessins en 3D pour mieux comprendre la transmission qui se fait dans le système. Donc, on va chercher l'entrée du mouvement. Dans la description du fonctionnement, donc vous avez ici, on vous dit que le mouvement de rotation de la vis sans fin 1 est transmis au plateau lié à l'arbre de sortie 57. Donc on vous donne une explication détaillée, si vous voulez, du fonctionnement. Donc l'entrée, elle est à ce niveau-là. L'arbre moteur donc, possède une vis sans fin qui entraîne une roue creuse. Et par suite, on essaie de voir la transmission de mouvement. Cet arbre-là sera entraîné en rotation. Il entraîne avec lui une autre roue dentée. Alors là, on remarque la présence de trois roues dentées. Donc trois roues dentées, j'ai bien dit roues dentées et non pas baladeur, parce que j'ai remarqué la présence d'un anneau élastique qui empêche la translation vers la gauche et d'un épaulement de ce côté-là, donc qui empêche la translation vers la droite. Donc l'arbre intermédiaire va entraîner un deuxième arbre intermédiaire. Ensuite, je remarque ici une fourchette et un baladeur. Alors pourquoi j'ai dit baladeur et non pas roue dentée? Parce que j'ai remarqué la présence des cannelures. Donc
je sais qu'il y a possibilité de translation et j'ai vérifié qu'il n'y a pas un empêchement de translation de ce côté-là. Il n'y a pas un arrêt en translation du côté gauche. Donc le baladeur, je sais maintenant qu'il est en position droite maximale. Il est arrêté en translation par cet anneau élastique. Le mécanisme de commande, comme on l'a vu tout à l'heure, un levier et une fourchette. Et vous l'avez ici, le mécanisme de commande en 3D. Voilà donc. Ici en 3D, on peut remarquer la chaîne de transmission de la vis sans fin vers la première roue. Donc c'est à ce niveau-là. Ensuite, l'engrenage entre ces deux roues dentées, entre la roue dentée, cette roue dentée et un pignon arbré. Ensuite, trois roues dentées qui sont encastrées sur l'arbre intermédiaire et un baladeur à ce niveau-là. Enfin, la sortie sera réalisée par un renvoi d'angle, donc un engrenage conique. Donc la sortie, c'est à ce niveau. Voilà, donc j'ai fait une petite lecture du dessin d'ensemble. Si j'essaie de voir maintenant les questions posées. Première question, on donne la vitesse de rotation du moteur, Nm égale à 1400 tours par minute. Le rapport entre 1 et 17, R 1,17, 1 sur 40. Le rapport entre 22 et 20, R égale à 2. Le rapport entre 61 et 64, R égale à 1. Calculer les trois vitesses de sortie de la boîte, donc N1, N2, N3. Alors on a une boîte de vitesses, donc on a trois vitesses de rotation à la sortie différentes, relatives aux trois séries de fûts. Notez bien, N1 est la vitesse la plus faible et N3 est la vitesse la plus grande, ou bien la plus élevée. Alors, le cahier de charge, qu'est-ce qu'il impose dans ce sujet ? L'entreprise se propose de fabriquer trois séries de fûts de diamètres différents, sachant que la vitesse linéaire de sertissage est constante, V égale à 2,75 mètres par seconde, ce qui exige trois vitesses de rotation différentes du plateau relatives à chaque diamètre. C'est pourquoi on m'a demandé de calculer les trois vitesses de rotation. Donc, si je reviens au dessin d'ensemble, la première vitesse, c'est la vitesse la plus faible. Donc ici, il faut réfléchir un tout petit peu. Il faut trouver la vitesse la plus faible à la sortie. Donc le baladeur, à quelle position je dois le mettre pour avoir la plus faible vitesse à la sortie ? On a dit le principe c'est quoi ? La roue menante c'est la plus petite et la roue menée c'est la plus grande. Une roue menante doit être petite et la roue menée doit être grande pour qu'on ait une réduction de vitesse. Si je regarde bien à ce niveau-là, on a les trois roues dentées. Ces trois roues dentées vont entraîner le baladeur en rotation. Donc je dois choisir, ça ce sont les roues menantes, ça ce sont les roues menées. La plus petite entre les trois, c'est celle-ci. Donc c'est le repère 50. La plus grande roue réceptrice, c'est celle au milieu. Donc c'est le repère 45. Donc pour avoir la vitesse la plus faible, le baladeur doit être placé au milieu. C'est pourquoi on aura un engrenage entre ces deux roues dentées. Donc, pour calculer maintenant le rapport global, on applique la formule qu'on a vue ensemble, produit des aides menantes sur produit des aides menées. Je commence toujours par l'entrée du mouvement. Alors, j'ai la vis sans fin qui entraîne une roue creuse. Donc, vous disposez aussi de la nomenclature. R1 fois Z22 20 fois Z50 sur Z46 fois Z61 sur Z64. Application numérique, les nombres dedans, on les a trouvés sur la nomenclature. Donc, 1 sur 40 fois 2 fois 30 sur 40 fois 1, ça nous donne 3 sur 80. Donc, pour trouver la vitesse 1, la première vitesse, RG1 égale à N sortie sur N entrée, N1 sur NM, ce qui nous donne N1 égale à RG1 fois NM. Donc, 3 sur 80 fois 1400, première vitesse de rotation, 52,5 tours par minute. Donc pour la deuxième vitesse, on calcule RG2 maintenant. Donc si on va vers le dessin d'ensemble, la deuxième vitesse, donc on a dit la première vitesse, le baladeur au milieu. La deuxième vitesse, donc la deuxième roue en taille, c'est celle-ci, avec la deuxième roue au baladeur. Donc le baladeur, il va être à gauche. On aura l'engrenage entre la roue 51 avec 45A. Donc, dans notre formule,
RG2 égale R1,17 fois R22,20 fois R51,45A fois R61,64. Les rapports, les trois rapports sont donnés. R51,45, Z motrice sur Z réceptrice. Donc ça va nous donner Z51 sur Z45A. Application numérique, ça nous donne donc les nombres de dents, on les a tirés de la nomenclature, 35 sur 35, Z51, 35, et Z45A, sur la nomenclature, on a trouvé 35. Donc le rapport RG2 égale à 1/20, ce qui fait la vitesse de rotation N2, donc RG2 égale à N2 sur NM, je tire N2 égale à RG2 fois NM, ce qui me donne 1 sur 20 fois 1400, donc application numérique, 70 tours par minute. Pour la troisième vitesse, c'est la même chose. Donc si je reviens vers le dessin d'ensemble, troisième vitesse, on aura la plus grande roue qui entraîne la plus petite roue. Donc c'est la roue, la plus grande roue, c'est cette roue-là. Donc le repère, son repère, c'est 49, c'est ça. La plus petite roue réceptrice, c'est 45B. Donc, RG3, R1,17 fois R22,20 fois R49,45B fois R61,64. Donc, 49 menant, 45B mené. Ce qui me donne R1,17 fois R22,20 fois Z49 sur Z45B fois R61,64. Nombre de dents des roues 49 et 45B sont donnés dans la nomenclature. 49 a un nombre de dents 40 et 45B a un nombre de dents 30. L'application numérique du rapport donne 1/15. La troisième vitesse, donc RG3 égale à N3 sur NM. Je peux tirer N3 égale à RG3 fois NM, ce qui me donne comme application numérique 1/15 fois 1400. Je trouve 93,3 tours par minute. Donc ça, c'est pour les trois vitesses. La question suivante, déterminer pour chaque vitesse de rotation le diamètre de fût que l'entreprise peut fabriquer. Donc on connaît la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. V égale à R fois oméga. On me demande de chercher le diamètre. Je sais que le rayon, c'est D sur 2. Donc V égale à D sur 2. Oméga égale à 2 pi n sur 60. Donc j'ai n à ce niveau-là, sauf que j'ai 3 n différentes. Donc je vais tirer 3 diamètres différents. Donc D1, D égale 60 fois V sur pi fois n, si je tire D dans la forme générale, ce qui me donne D1 égale à 60V sur pi n1, application numérique 60 fois 2,75 10 3, parce que la vitesse linéaire a été imposée 2,75 mètres par seconde. N'oubliez pas donc de convertir le mètre en millimètre, parce que ici vous avez on cherche un diamètre en millimètre. Donc sinon, si on ne fait pas convertir le mètre, c'est-à-dire sans qu'on fait 10 puissance 3, on va retrouver la valeur du diamètre en mètres. Donc dans ce cas-là, je trouve un diamètre de 1000 mm, ce qui me fait un diamètre du fût égal à 1 mètre. Pour le deuxième diamètre, si je fais l'application numérique 60V sur pi N2, N2 égale à 70 tours par minute, donc je vais trouver application numérique D2 égale à 750,3 mm. Et pour le diamètre 3, donc D3 égale à 60V sur pi N3. Donc 60 fois 2,75 10 3 sur pi fois 93,3. Je trouve une valeur D3 égale à 526,9 mm. Voilà donc pour la transmission par réducteur à engrenage et boîte de vitesse. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai été clair. Au revoir.